Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Lanzuc. Cette fois-ci, un petit double pack MicroMasters, direct hit et Power Punch de la gamme siège de la trilogie War for Cybertron. Alors, ce sont des Decepticons. C'est le 47e de la gamme. Et justement, il y a R3 ici qui montre les deux en pleine action, surtout un qui tire avec son canon pendant que l'autre fait juste regarder le champ de bataille, tout simplement. Au Lando, c'est mentionné qu'ils font partie de l'escouade de combat, Battle Squad en anglais, et justement, ils montrent les modes, ainsi que le nombre d'étapes, 4 et 5, et, bien entendu, le mode arme qu'on peut venir garnir sur des plus grosses figurines, comme Hyperface de Class Voyager, que je vais vous montrer, justement, dans la revue avec. Ils faisaient partie de la gamme de jouets G1 à l'époque, ils n'ont jamais apparu dans l'animé, et c'est le seul qu'on a de toute, on va dire, la gamme siège qui se combine, fait que c'est un énorme troc, un long troc que j'aime beaucoup, sérieusement. C'est vraiment un de mes préférés de cette gamme-là, là, des Two-Pack Micro Masters, un de mes préférés, c'est mon préféré carrément. Alors justement, on va commencer avec l'arme, et l'arme, c'est tout simplement ceci, un sous-marin, oui, un sous-marin. Alors, on a ici, justement, les canons qui représentent, bien entendu, un énorme lance-roquette. Le même type de lance-roquette que Schwarzenegger utilise, admettons, dans le film Commando. Fait que, on a ici, admettons, justement, les têtes des MicroMasters sont apparentes, les torses ici. C'est assez comique, bien entendu. C'est un lance-roquette qu'on installe sur le bras. Fait que, on les voit pas vraiment du point de vue du dessus. Fait que, c'est ça. Le lance-roquette, là, c'est un peu spécial. Fait que, la poignée d'ici, justement. Fait qu'on peut venir l'installer sur Hyperface ici comme ça, et c'est ça que ça donne. C'est parfait pour un classe voyageur, ça c'est certain. Et justement, il y a 4 trous ici pour mettre des effets laser, comme celui-là que j'ai déjà en 4 fois, fait que ça s'installe super bien. Alors c'est ce que ça donne, et ça rend assez bien. Fait qu'il y a aussi un autre peg 3 mm pour mettre un autre effet laser ici, tu sais, vraiment en dessous. Fait que, sérieusement, c'est clair qu'avec ce lance-roquette-là, Hyperface va survivre à la guerre sur Cybertron. C'est clair, il apparaît dans la saison 4 de G1. Fait que, c'est déjà écrit dans le scénario. Et voici ce que ça donne sur un Deluxe comme Barricade. Fait que c'est très très gros, mais ça passe quand même assez bien aussi. Alors, on peut remettre en mode alternatif, enlever cet effet laser-là et en rajouter un autre ici qui est plus réaliste comme fusée. Alors, on peut aussi justement lever le canon. Ça s'accroche justement ici grâce à ce petit trou-là ici comme ça. Fait que ça épouse très bien aussi d'autres petits canons à l'avant comme ça. Fait que c'est assez nice. Et bien entendu, il y a un peg 3 mm pour mettre un autre effet laser ici qui rend super bien. Pas super stable, mais c'est correct, là, tu sais, ça tient. Justement, on peut venir les séparer en deux comme ça. Alors, il y a aussi un peg ici 3 mm pour mettre un autre effet laser. Fait que, comme ceci, on peut bien entendu le lever. Et maintenant, passons à lui. Qui est nul autre que Direct Hit. Alors, c'est un petit truc blindé ici, fourni de détails. Fait que, ici, les doubles canons, justement, de couleur silver, qu'on retrouve un peu moins foncé ici pour les vitres, sur le côté. Le bleu que vous voyez ici est justement peint. Le jaune aussi pour des lumières. C'est une petite figurine. Fait que, avoir autant de paint job que ça, c'est vraiment génial. Bien entendu, ça roule quand même très très bien, ça c'est certain. En comparaison avec l'escouade de bataille version Autobot, fait que ici justement avec une batterie anti-aérienne, une artillerie qui est carrément une réponse à lui. Chose que j'aime vraiment pas, c'est les trous ici sur le dessus, ça risque de boucher tant qu'à moi. Alors pour la transformation, on vient ici d'éclipser justement les bras. On déplie tout le devant du véhicule comme ça. On sépare et bien entendu, on vient former justement les semelles ainsi que les talons comme ça. On peut venir descendre justement aussi les épaules. J'aime beaucoup les détails qu'on a, fait que ici de la peinture bleue pour les avant-bras, mauve ici sur le torse, le symbole des Decepticons de toute la figurine, du doré pour le visage. Je trippe vraiment pas par contre les deux pegs pour accrocher les bras. Il me semble que les autres MicroMasters, on n'avait pas ça, puis il me semble que c'était bien correct de même que t'es pas obligé d'en avoir là, tant qu'à moi. Alors justement pour les articulations, la tête est sur un pivot, ça c'est vraiment vraiment nice. Justement, on peut le lever comme ça, c'est sur bajoint. Fait que c'est ça, sinon, comme ça, vers l'avant, vers l'arrière. Pour ce qui est du backpack, c'est tout simplement ici, du canon. Donc ça passe, bien entendu, il est très stable avec les semelles qu'il y a, c'est gigantesque. Et il peut
se défendre seulement, mettons, s'il se fait attaquer de dos, à l'arrière, dans les airs, et bien entendu, dans les airs au-dessus de lui. Maintenant, passons à Power Punch, qui est l'arrière de l'artillerie. Qui veut dire l'arrière de l'artillerie? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'avant. Fait que, simplement, l'avant, c'est des plaquettes de couleur silver, ici, avec un trou 5 mm, qu'on peut justement rajouter un effet laser, si ça vous tente. Comme ça. Sinon, on a de la peinture bleue ici sur le côté, qu'on trouve aussi à l'arrière. Et justement, ça roule très bien ici, petite roulette. Maintenant, pour la transformation, on fait juste déplier ça à l'arrière, comme ça. On sépare les jambes. On déclipse ici les bras. On les descend. Ici, j'ai un peu de la misère. Ah, là, c'est correct. Et le voici en mode robot. Mini symbole Decepticon. On a quatre ronds ici qui a l'air de représenter justement les quatre canons miniaturisés. Le bleu ici sur les endroits aussi. Justement, du jaune pour la tête ici, pour la visière et le visage. Donc, moins intéressant que Direct Kit. Bien entendu, pour les articulations, on a ici la tête qui est sur un pivot. Comme ça, ben, jouons aussi pour les bras, comme ça, ben, jouons aussi pour les jambes, là, ça pogne à l'arrière, sur le côté comme ça, vers l'avant, et bien entendu, un pli au genou que j'ai oublié de vous montrer ici pour Direct Kit, qui est tout simplement un bajouin, fait que ça tourne de gauche à droite comme ça, comme ceci, fait que désolé, fait que c'est à peu près ça. Sinon, lui, bon, on peut bien entendu rajouter un effet laser ici comme ça pour qu'il puisse se défendre. Ouais, vers le sol, vers l'arrière, au-dessus de lui, bref, dans les airs. On peut rajouter aussi ici, et bien entendu, pour le plus grand plaisir, il peut au moins se défendre face à lui, comme ça. Fait que, un peu bizarre, mais au moins il est stable. À comparaison avec les mêmes que j'ai montré en mode alternatif, alors ce qui est assez spécial, c'est que les deux ici à la gauche, ils ont tous les deux des poignées 5 mm qu'on peut venir mettre vers l'arrière ou vers le haut. Et ici, les canons de l'artillerie, on peut les pointer vers le haut. Lui, il y a juste un peu plus d'options, on peut le mettre sur le dessus de la tête. Fait que, est-ce un hasard? Je le crois pas. Voici le genre de pause qu'on peut faire. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'appréciez. Vous avez les pour et les contre. Alors, achetez-le sérieusement. Il en vaut vraiment la peine ces deux-là. C'est le meilleur set MicroMasters non cassette, admettons. La gamme siège tant qu'à moi. Alors justement, je l'ai payé à mon Toys R Us en spécial. 10$, 12$ à peu près avec les taxes. Comme d'habitude, mes galeries photos sur Facebook. Le lien va être en dessous dans la description. Et vous voulez tous m'encrocher. Vous avez déjà tous quoi faire. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.